Bonjour tout le monde, c'est Lord Ephraim et on se retrouve aujourd'hui pour encore continuer Eternal Sonata et ce donjon, donc le tombe d'Aria. Ça va m'aider. Donc tu peux te présenter. Sudano12, membre des RPG Gamer. Et donc je vais des Lords parce que moi j'ai la soluce à côté, sinon on manque des choses. Ouais, forcément. Alors pourquoi j'aurais besoin d'une soluce? Parce qu'en fait vous allez voir ce qui va se passer. Donc bon, déjà là on a une petite scène à la con. Tout ça pour arriver en fait que le donjon était pas fermé à clé. Donc on s'est cassé le cul à chercher une clé pour rien. Bon en même temps on s'est senti un peu couillonné mais... On va continuer. Donc là on est en galerie de la terre. Donc on va les monter. Tu montes sur le transporteur rose. Voilà. Téléporteur, voilà. On arrive à la galerie de l'air. Enfin, oui, je cite les endroits pour Susa parce qu'en fait, il voit pas trop. Alors, en fait, vous allez comprendre le truc. Là, vous voyez, vous avez des mobs avec un coffre derrière. Donc, là, le premier combat obligatoire. C'est le scorpion, c'est pareil. Ouais. Alors, vous allez voir aussi le colis loup-garou, ce que ça fait. Ça fait des coups doubles. Sauf en technique spéciale. Et ça, pour monter les échos, c'est vraiment bien. Non mais après, le scorpion, faudra que tu montes à gauche. Putain, là par contre ils font mal. Putain, là j'ai même pas pu parer. Quoi? Ils sont assez chauds. Ouais, parce que Allegretto il s'est fait bien bouffer d'entrée de vidéo. Là. Vous voyez comme ça monte les échos. Escouler le loup-garou, franchement, c'est une très bonne aide. Alors, quand finit le combat, vous avez vu le coffre? Ah, tu l'auras pas le coffre, Dedeg. Eh ben, effectivement, on va devoir se faire chier à faire tout le donjon pour récupérer les coffres. Donc c'est là que tu vas me mettre bien utile, Susa, puisque toi, t'as tout sous la main. Ouais. Donc, alors tu es dans la salle où tu as buté le scorpion, tu la galerie de l'air. Oui, enfin. Tu es les deux. Après avoir tué le scorpion, faut que tu montes à gauche. Bon, alors on va monter. Donc après, au bout d'un moment, je couperai les combats, hein, ou je les accélérerai. Et... Bon, tu vas rencontrer un scorpion, faut que tu le tues. Attends, déjà, dans le combat, t'expliqueras après. Comme ça, si je coupe certains combats, après, c'est mieux. Qu'on le fasse en phase d'explos. Par contre, va falloir que tu parles un peu plus fort. Ouais, attends, j'ai réglé ça sur le micro. Comment tu vas avoir la difficulté? Oh là là, non, c'est peut-être pas mieux. Bon bah essaye de parler un peu plus fort. Alors, dis-moi si c'est mieux. Est-ce que c'est mieux? Ouais, ça ira. Alors par contre, je vais revoir mes techniques d'ombre parce que je sais pas si j'ai mieux. Non, j'ai pas mieux. Bon, tant pis. Je vais essayer de faire gaffe sur le placement. Alors ici. Donc le coffre est ici en fait. Alors où est-ce qu'il est? Il est là-bas, donc il va falloir bien viser. Tu me diras quand tu seras au scorpion qui est dans un couloir. Ouais, d'accord. Alors ça c'est le coffre qu'on avait, donc qu'on aurait dû prendre tout à l'heure, qui contient une armure de lion. Donc on va se l'équiper, c'est au personnage qui a le moins de défense, je pense. Peut-être ça va être Allegretto. Armure de lion. Moi défense 65. Alors. Je vais plutôt la mettre à Jazz. Par contre je vais peut-être soigner un peu Allegretto.
T'as dû rater un coffre parce que moi l'armure de lion c'est plus loin. Un coffre. Attends. Parce que là c'est un couloir. Y'a un scorpion ou pas enfin? Bah là j'ai affronté deux scorpions et près du coffre il y en avait un troisième. Donc il y a toujours un passage par là. Là ici il y a un coffre mais on peut pas y accéder pour l'instant. Ouais parce que t'as raté un coffre où tu avais la canne de devin. Pour ça fallait tuer un scorpion qui était dans le couloir. Dans l'autre couloir, donc on va aller revenir dans l'autre couloir. Ouais parce que moi j'ai commencé par le gauche mais bon. Ce qui permettra de débloquer le coffre qui était dans la salle où t'as tué les deux pour les. Donc là je suis dans une salle où il y en a deux. Là, donc ici il y en a un scorpion. Enfin deux scorpions plutôt. Et par logique, tu devras revenir dans la première salle où tu as tué deux scorpions. Oh. Pour débloquer un coffre. Putain, ceux-là ils sont pas faciles à parer du tout. Faut bien les choper au dernier moment. Donc, petit level up. Alors par contre, attends, deux secondes, je vais vous fermer quelques petits programmes. Que ce soit plus... Voilà. Bon, alors on se retrouve. Donc là, il y a un coffre que je peux toujours pas ouvrir. Ah, deux secondes, j'ai oublié de me déconnecter de PSN. Hein. Ouais. Voilà. Tu vas recevoir des messages sur Gavin, troll. Ouais, on va éviter cette fois. Donc ici on peut monter mais c'est pas ce que je cherche. C'est dans un couloir où tu as un seul scorpion et après tu devras revenir en arrière dans la première salle pour débloquer le coffre. Dans la première salle, ouais mais... Dans la première salle. Ah oui, là effectivement il y a un couloir, il y a un scorpion. Donc t'as dit le premier. Ouais, tu tues scorpion puis tu reviens en arrière dans la première salle où il y avait deux scorpions. Voilà, donc là. Alors on va revenir. Donc c'était pas celui-là. Il y a une bonne musique de fond, mais bon, c'est dommage que tu entends pas. Voilà. Alors ici, il y a rien. Non, dans la toute première salle où tu... Attends. Ouais, mais le truc, c'est que si je quitte la salle, ça va rip-off tous les meubles. Non, je crois pas. C'est tout. Tant que tu restes dans la galerie de l'air, par logique, ils vont pas rip-off. Hein. Ouais, mais... Ouais, le mob du bas là, je l'ai éliminé. Ouais. Ah, c'était. Celui-là, c'est le scorpion en bas que t'as éliminé. Oui. Alors, attends. C'est pas le scorpion du haut que tu voulais dire? Si, si. Ah. Justement. Ouais. Attends, j'essaie de voir si je peux pas avoir une map. Oh oui. Alors, donc t'as dit les deux scorpions dans la salle? Du milieu. Et après tu montes en haut à gauche.
ici. Voilà, deuxième scorpion, voilà. Ça va assez vite. Merde. Ah putain, ils se sont baissés ces couillons. Ok, il attaque pas s'il veut. Et là, ça fait mal. Tu sais c'est quel niveau C'est lequel niveau d'unisson? Le niveau. Bah, cherche une map pour pouvoir t'aider. Parce que moi, je vois pas du tout. Bah, là, je suis tout au début. Donc, si on bloque au début. Donc, couloir de gauche, normalement, il y en a 3. Oui, t'as 3 scorpions dans le couloir. Oui. Celui-là était bien beau tir. Bon, tu tues le scorpion, je pense que tu puisses tuer de ouvrir le coffre et puis voilà. Donc là on arrive à voir normalement. Si. Non non, c'est, je suis toujours pas axé. C'est bizarre. Attends. Donc non voilà. Alors en fait, bon après avoir cherché un petit moment, j'ai trouvé en fait. Alors regardez bien le truc, ça va être bien fort, faut bien regarder la vidéo. Vous voyez pris des marches. Et vous regardez le premier pilier où il tient la marche. Enfin derrière. Vous voyez pas quelque chose là? Hop hop hop. Et il y a un petit mode caché en fait. Mais il fallait bien voir. Bon alors là on est reparti pour défoncer du scorpion. Avec mon coulé du garou totalement cheaté. Alors aussi ces scorpions se transforment en chauve-souris la nuit. Merci la technique qui sert à rien. Bon, ah oui, c'est vrai que c'est de nombre cette technique. J'avais oublié. Mais bon, on va les défoncer. Voilà, vous voyez déjà, franchement, je suis en chaîne d'harmonie. Donc, le collet loup-garou, il est très très pratique. Et on en a, j'ai fait 70 000 de dégâts avec Allegretto. Alors, est-ce que je vais l'avoir de là? Non. J'ai pas réussi. Bon bah il est quand même mort avec Harpe hein, donc... Enfin... Et voilà, le coffre se transporte. Donc j'espère qu'il sera pas trop loin. Ouais, ça, ouais je vois, c'est bon. Ça t'a débloqué deux coffres donc... Deux coffres? Non, il n'y en a qu'un pourtant. On va faire le tour de là... Bon... tu vas voir pour le dernier parce que... Alors en fait... logique, bon, voilà. Normalement, en droit, t'as trois coffres. T'as l'arme... Tu vas... un coffre où il y a l'armure lion, un coffre où t'as briscotte, et un coffre où t'as la canne de devin. Ouais, bah c'est surtout la briscotte qui manquerait. Donc en fait, pour y accéder, faut faire tout le tour. Non, c'est pas ici. Voilà, c'est celui-ci. Et on a la briscotte. J'ai pas eu la canne de devin. Bah, reviens.
Reviens dans la première salle. Salle du... Ah! Ça, ça va être chiant. Lenteur. Je préfère avoir de la passivité que la lenteur. Reviens dans la première salle parce que la canne de devin elle est dans la première salle. Ah, combat. Ça a tout tourné sur l'interface de Scorpion, hein, pop là par logique. Voilà. La chauve-souris one shot. Donc la première salle, donc c'est la salle où. La salle centrale plutôt. Voilà, pour la salle centrale, donc les deux scorpions sont éliminés. Oui. Donc ils me disent quoi? Ils me disent de, d'aller en haut à gauche. En haut à gauche? Oui. Celui-là, là, apprenti celui-là. Je sais pas si des téléporteurs alors. Sûrement oui. Oui, oui, c'est celui-là. Je pense. Bon, déjà fait. Bon, on va voir si c'est pas par hasard ce petit rat. Parce qu'on les a pas vus ces petits rats. Oui, merci les deux qui me gênent. Hein. Ah oui, merde, j'ai cru que c'était Jazz. Bon, tant pis. De toute façon, Jazz, il est plus résistant maintenant. Allez, viens la petite. Mais non. C'est pas vraiment rare que je voulais que... Que tu viens me voir. Bon, tant pis. Ils sont pas trop résistants. Ok, donc pas de téléporteur. En haut à gauche, on va voir. Pourtant, il y a rien. Bon, attends, on va voir si c'est par hasard les 4 qui formeraient un saut. J'ai l'impression que la vitesse de combat est pas tellement augmentée là. Ou oh, bah, au pire, c'est une canne pour Frédéric. Si. Bon, bah, on va voir si ce serait pas par hasard les deux scorpions. Là, tu pars à droite. Ouais. Parce que ceux-là, j'ai pas affronté. Alors, à moins qu'on vote. Non, y a rien ici, d'accord. C'est toujours bon à savoir. Non. Allez, Minou. Enfin, quoi que j'aime pas les gros Minou. Mais ça fait d'XP et j'en aurais bien besoin d'XP. Lui par contre il a l'air bien loin. Bon, c'est bon, il est mort. Ah voilà, c'est bon, on a trouvé. Donc c'était tout simplement le mob dans la salle à droite, en fait, le deuxième scorpion le plus en bas, qui bloque. Et là, on est qu'à la première salle. Le truc, la canne de rack, donc je vais comme vous la montrer pour Frédéric. Étant donné que les armes dans les donjons, on peut pas les racheter dans les boutiques. La canne de rack, voilà.
C'est bon, là t'as récupéré tous les coffres, tu voilà, continues. Voilà. Donc on tient corps sombre. Bon après on verra, c'est au bout d'un moment je serai obligé d'utiliser Chopin ou un autre personnage pratique. Donc là maintenant on va pouvoir aller à la salle du haut. Qui est donc le couloir. Avec un coffre ici, j'espère que c'est... Non c'est bon, celui-là je peux le prendre. Un chapeau bulle. Un chapeau bulle, alors ça c'est bien. Je vais montrer pourquoi. Jazz... chapeau bulle. Voilà. Augmente la vitesse de 10% sur Jazz, parce que c'est lui qui a le moins de vitesse. Donc après quand on sera plus haut level, bah, ça l'aidera beaucoup. Alors, voyons voir ce qu'on a comme salle. Donc on a un point de sauvegarde. Je vais pas sauvegarder maintenant. Alors pour aller à l'étage supérieur, tu dois faire un truc spécial, il me semble. Alors, dans la galerie de la... Passer par la porte ignorée. Dans cette salle, je trouve plusieurs ennemis. Ouais, mais là, le truc, c'est que j'ai qu'un escalier. Bah, tu le suis. Donc là, je suis... Voilà, galerie du paradis. Ah bah, c'est bon, visiblement. Donc, alors, voyons voir s'il n'y a pas d'objet caché par ici. Non. Non, mais c'est bon. Alors, là... Alors, dans la galerie du paradis, il faut que tu tues que les scorpions et les chauves-souris à l'extérieur à présent. À l'extérieur? Oui, je dis ça, donc... C'est-à-dire quoi? Donc, les scorpions, les chauves-souris. Ouais. Mais pas les rats. Ok. Merci pour l'information. Le rat faudra le tuer après avoir récupéré le coffre. D'accord. T'as une contre-attaque ratée. Putain, ils me font demi dégâts. Je l'ai défendu. Je suis paré tous les coups. Bon ben là, Jazz, fais-toi plaise. Là, il a fait un carnage. Bon, il y a un coffre qui s'est téléporté. Donc... Alors, ah, là ça va être compliqué.